Merci beaucoup. France Inter, du bonheur en tranche, de 5h à minuit. Pop, 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 il est 17h sur France Inter. Les infos, Armel Balogog. Les longues explications de Didier Lallemand devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le préfet de police de Paris est auditionné 4 semaines après l'attaque à la préfecture et il révèle des chiffres surprenants. Il a recueilli 48 signalements de policiers pour radicalisation au sein même de la préfecture de police de Paris. Sur ces 48, 33 signalements ont été faits depuis l'attaque le 3 octobre. Didier Lallemand. Je l'assume parfaitement. J'ai encouragé au signalement de manière à ce qu'il y ait une levée de doute. Un signalement, c'est une interrogation qui permet de s'interroger. D'abord, elle permet de s'interroger sur une chose extrêmement prosaïque. Doit-on ou non laisser le fonctionnaire signalé armé ? C'est pas une petite information, puisque sur l'ensemble des signalements, il y en a 12 qui ont amené à désarmer les agents. Dont 7 depuis le 3 octobre. Donc vous voyez bien que ce sont les décisions les plus essentielles qu'il faut prendre, hein, à la fois parce que le signalement vise à protéger les fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires signalés, mais également et aussi le fonctionnaire signalé, hein, qui lui-même bénéficie en la matière de la protection de l'administration. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Emmanuel Macron va à Rouen en fin de journée, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le président veut examiner lui-même ses conséquences, indique l'Élysée, déplacement non inscrit dans l'agenda présidentiel. Et alors que l'inquiétude de la population reste palpable, aujourd'hui le préfet de Normandie estime qu'il est toujours trop tôt pour envisager le redémarrage de l'usine chimique. Pierre-André Durand est auditionné par la mission d'information de l'Assemblée nationale. Ils ont un nom mignon, presque poétique, qui fait oublier leur gravité. Et pourtant grave, ils le sont, les papillomavirus. Des virus donc transmis sexuellement, ils peuvent provoquer des cancers, notamment celui du col de l'utérus. Ça, les jeunes femmes le savent, les médecins leur en parlent, elles se font même vacciner. Les garçons, en revanche, en entendent peu parler. Et pourtant, la Haute Autorité de Santé envisage de recommander de les vacciner eux aussi, Solène Lehen. Contrairement à une idée reçue, les garçons, les hommes hétérosexuels aussi peuvent être victimes des papillomavirus, appelés également HPV, des virus transmis sexuellement et qui peuvent provoquer des cancers. Cancer de l'anus, du pénis ou de la gorge, qui touchent d'ailleurs plus les hommes que les femmes. Le professeur Elisabeth Bouvet de la Haute Autorité de Santé. Donc là, l'idée, c'est une vaccination universelle chez les garçons et les filles. Considérant donc que les pathologies HPV ne sont pas le fait seulement des filles, eh bien on protégera tous les garçons, qu'ils soient homo ou hétérosexuels ultérieurement. Et donc dans les deux sens, puisqu'à la fois on protège les garçons pour protéger les filles, et inversement, on protège les filles en protégeant les garçons. Recommander de vacciner tous les adolescents, filles et garçons confondus, cela se fait déjà dans une quinzaine de pays européens. En France, la méfiance de certains parents à l'égard des vaccins fait que seule une jeune fille sur 5 est vaccinée contre les papillomavirus. Cette recommandation n'est pour l'instant qu'un projet. Pendant un mois, les associations de patients, sociétés savantes ou encore industrielles sont invitées à s'exprimer avant que la Haute Autorité de Santé ne décide de publier son avis définitif. Et plus de 1700 hommes chaque année sont atteints d'un cancer causé par les papillomavirus. Les femmes, elles, sont plus de 4500. La concertation sur les retraites est mal partie à la SNCF. Sudrail n'ira pas à la réunion demain au ministère des Transports, la CGT non plus. Climat toujours tendu donc à la SNCF, tandis que la grève se poursuit au centre de maintenance de Châtillon. Mais la compagnie promet 8 TGV sur 10. Demain, sur l'axe Atlantique, elle va ramener des trains d'autres régions. Les choses avancent vite, très vite, entre PSA, Peugeot et Fiat. Les conseils d'administration des deux constructeurs automobiles se réunissent cet après-midi. Ils pourraient annoncer leur rapprochement dès demain. Le français et l'italo-américain veulent se fiancer et créer ainsi le 4e géant mondial de l'automobile. La COP25 pour le climat, prévue en décembre, se cherche un nouveau pays d'accueil. Le Chili devait l'héberger, mais il l'a suspendu. Il est frappé par une grande crise sociale depuis 10 jours. En Syrie, le régime de Damas appelle les forces kurdes à intégrer ses rangs. Ils ont un ennemi commun, selon lui. Allusion à la Turquie, les forces d'Ankara affrontent en ce moment l'armée syrienne dans le nord-est de la Syrie où la
Turquie veut créer une zone de sécurité. Le prix Albert Londres, décerné hier soir, il récompense le meilleur du journalisme français chaque année. Hier, c'est Marlène Rabault qui l'a obtenu catégorie audiovisuelle pour son film Congo Lucha, documentaire diffusé sur la RTBF et la BBC, l'histoire du mouvement citoyen de jeunes Congolais. Ils se sont battus pour changer leur pays et se débarrasser du président Kabila. 48 morts, c'est le bilan de deux jours de manifestation contre le président Kabila, qui doit partir dans trois mois, mais retarde l'organisation des élections. C'est vraiment un immense bonheur de recevoir ce prix pour un film que j'ai commencé il y a trois ans, sur un mouvement que personne ne connaissait, avec des jeunes qu'on pouvait voir un peu comme portant un peu une utopie. Et je me suis sentie pendant longtemps assez seule avec cette envie de les exposer à la lumière et de montrer à quel point ils y allaient dans le bon sens. Et ce sont donc les jeunes qui ont grandi dans la guerre. Ce sont des jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui n'ont connu que ça. Kabila n'a pas le droit de prendre un otage. Il est illégitime. Il doit quitter le pouvoir. Kabila doit dégager. Et donc c'était quand même assez incroyable qu'ils choisissent le moyen de la non-violence pour se lever et essayer de changer leur pays. Et aujourd'hui, ce prix, j'espère qu'il permettra de faire découvrir au plus grand nombre ce mouvement merveilleux qu'est la lucha. Marlène Rabault, lauréate donc du prix Albert Londres. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Ce mercredi, soirée double affiche. Deux heures de concert en direct. Avec Catherine Ringer. Pour chanter le meilleur des Rita Mitsuko et les Américains de Cigarettes After Sex. Rendez-vous live depuis le Studio 104 ce soir sur France Inter à partir de 21h. Vous écoutez France Inter, il est 17h07 tout pile et je vous passe le micro, Charline Van Hoenacker. Oui, avec joie, Arbel Balogog, parce qu'on est tout bouillant, tout chaud, tout guilleret. Donc on est très très impatients. Merci Arbel, on y va, c'est parti. . 16h55, quelque part près du bureau de Par Jupiter. Viens Guillaume, on se cache là. Ah ouais, c'est trop cool, ouais. Charline, elle va trop flipper. Ah ouais, grave. Allez, on y va les enfants, là. On t'aime dans 5 minutes. Mais vous êtes où, Juliette, Guillaume? Bon les gars, là c'est plus drôle, hein. Vous êtes où? L'invité est déjà dans le studio, hein. Ouh, Charline, on est là. Mais où, là? Et à 3 minutes de l'antenne, franchement, ça m'amuse pas du tout. 16h57, dans un recoin de couloir proche du bureau de Par Jupiter. Alors, tu nous as toujours pas trouvé? Ouais, parce qu'on est super bien cachés. Eh ouais. M'en fiche, j'ai pas besoin de vous. Ah bah si, quand même, ma chronique. Bah, on mettra un disque. Oh bah non, eh. Bah et moi? Ouais. Et le sujet 2 sur les arbitres de foot? Bah ouais. Rien à cirer, moi aussi j'ai lu les articles, hein, je peux le faire. 16h59, près de la cachette, proche du studio. Bon là, vous me saoulez, hein, j'y vais toute seule, allez, salut. De toute façon, on a bien compris que t'étais mieux sans nous. Ouais, tu nous utilises. Je me sens instrumentalisée. En tout cas, bien joué, Juliette, tu nous l'as énervé avec ton idée à la con, là. Mais tais-toi, cours. Bon, c'est bon, Charline, on est là. Charline, on déconne. Oh, la porte du studio est bloquée. Oh non, Charline. Ça va, les enfants? Allez, asseyez-vous en régie, puis regardez faire les professionnels, parce que peut-être quand vous serez grand, vous aurez envie de prendre le micro. Mais... Oh. France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tant va le trader au cash flow qu'à la fin, il se casse. Voici l'ordre du jour de notre assemblée. La France vient de battre son record d'expulsion locative. Alors que la trêve hivernale commence vendredi, la Fondation Abbé Pierre nous apprend que l'an dernier, 36 000 personnes ont été expulsées de leur logement en présence des forces de l'ordre. Avec sa mère, on est enfermé dehors. L'arbitrage vidéo au foot contenait une promesse, ce sera la fin des polémiques. Eh bien, c'est un énorme ratage, les contestations de décisions arbitrales ne se sont jamais aussi bien portées. Tout le monde participe, les joueurs, les entraîneurs, les patrons de club, les supporters. Sur quel ton la contestation? Oh, ça va, tranquille.
Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots. Enculé. Une célèbre plateforme de série teste une nouvelle option, la diffusion en accéléré. L'épisode peut... Lancement en accéléré. Je ne savais pas qu'elle allait se planter. Ça va vous enlever la pression, Jean-Luc. Une célèbre plateforme de série teste une nouvelle option, la diffusion en accéléré. L'épisode peut être vu une fois et demie plus vite. Et pour ceux qui souhaitent regarder la version originale au ralenti, c'est possible aussi. Regarder ou consommer. Demandons à ceux qui ont testé la série en accéléré. Eh, ça va vite! Et voilà, ça allait trop vite pour moi, c'est tout. Et voici celle qui connaît le tiercé gagnant de la chronique, Juliette Arnoux. Oui, et pour l'équipe du jour, j'ai fait comme Baudelaire quand il disait « Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu ?» D'abord avec celle qui nous enivrera de poésie puisqu'elle relie le monde sous la forme la plus expressive et en mots joueurs. J'ai nommé Rukyata Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. En fait, vous savez que Poutine a reçu tous les présidents africains assortis la semaine dernière. Et aujourd'hui, je voudrais profiter pour parler de tous ceux qui veulent sauver le continent africain. Super. Ensuite, nous aurons celui qui est taquin à la rencontre. Taquin comme ces vins dont on se dit « Ouh là là, il est agréable, hein, je pourrais en boire des éviers. » Et le lendemain, effectivement, tu as l'encéphalogramme d'un évier. Bonjour à tous. Eh ben moi, je vais vous parler économie et écologie. Je suis allé interroger des financiers qui se réunissaient pour parler de ce qu'ils appellent la finance verte. Pour moi, la vraie finance verte, hein, c'est celle qui est multicolore. Ouais, restez attentifs. ça va pas être simple ce soir. Ils vont être taquins, eux aussi. Enfin, celle qui fait mentir le latin qui voulait que la virtus, c'est-à-dire le courage, la vaillance et la force d'âme, soit un atout spécifiquement masculin. C'est une femme. Elle s'appelle Clara Dupont-Moneau. Oh, merci Juliette. Bonsoir à tous. On va parler des derniers jours d'un homme de théâtre. Et voici celui qui va lire entre les lignes de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes, Jean-Luc. Vous êtes... Je suis... Jean-Luc Bidot. Oui, ah ben oui, c'est ça. J'espère pas d'avoir une chance et de faire une émission qui va peut-être faire remonter la cote. Parce que actuellement, c'est Jupiter. Dur. Hein. Mais on se démerde, on va y aller. Jean-Luc, on rassemble nos forces. On est une y équipe. Va. Hein. ça ne va pas être dur parce que nous avons beaucoup aimé le film, le téléfilm que vous venez nous présenter, qui s'intitule Temps de chiens, qui sera diffusé sur Arte très prochainement. C'est même vendredi à 20h55. Que vous pouvez déjà voir sur arte.tv. C'est ce que nous avons fait, nous. Il sera disponible pendant un mois. On va vous expliquer tout ça, mais d'abord, le film. Jean est capitaine de bateau mouche. Jean est incarné par Philippe Rebaud. Et on observe son lent naufrage à Jean. Après un divorce, l'alcool, une expulsion de son logement, une mise à pied à son travail. L'enjeu est de conserver une semaine sur deux la garde de ses trois enfants. Et il faut trouver un toit pour pouvoir conserver la garde. C'est une comédie sociale sur le déclassement, la question du logement. Une comédie sociale qui commence avec une image d'archive, Juliette. Oui, on dit souvent qu'il y a un indice à la première image du film. Et là, ce sont des images de Serge Reggiani, qui a interviewé et qui dit qu'il pense qu'il faut faire, comme le dit Baudelaire, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu. Alors, ça nous aiguille vers quoi, ces images de Reggiani? Alors, Reggiani, ça me rappelle surtout Clouzot. Il a fait un bide énorme. Ils étaient en train de tourner avec Schneider. Si, c'est Schneider, si. Romy Schneider, oui. Romy. Ah. Et puis Clouzot n'arrivait, il avait plein de fric et il n'arrivait pas à trouver tourner. L'enfer. Alors ça avançait. Puis un jour, on voit une image extraordinaire. Reggiani, j'ai joué avec lui quand j'étais gamin. C'est un type qui est assez tendu et assez bloqué comme moi. Et il a dit, je pars. Et on le voit partir. Et c'est fini, le film n'aura pas lieu. Clouzot s'arrête. Vous n'aviez pas ça? Ce film, c'était l'enfer. Oui, voilà. Ah, bah, vous savez tout. Je l'ai mal raconté. Vas-y, raconte. Non, je pense que vous l'avez très bien raconté. Mais vous le lisez comment, ces premières images du film? Pourquoi est-ce que très le réalisateur... Très beau. C'est très beau. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de mettre ces images de Reggiani qui invoquent... Moi, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vu le film il y a peu de temps. Oui. Mais j'attendais de me voir parce que je ne suis presque pas dans le film. C'est parce que je suis ici ce soir. C'est moi qui dois vendre le film. Oui. Alors, je peux vous dire tout de suite que Deluc a réussi son coup.
Il a réussi son coup. Et je lui ai dit, super doué de Luc, par écrit, hein, super, et les acteurs aussi. Le réalisateur, Édouard de Luc. Robio et machin, là, l'espagnol, Paolo, je sais pas quoi, les deux sont assez étonnants. Alors, il y a des acteurs qu'on adore, il y a vous, Jean-Luc Bidot, mais vous avez un rôle décisif dans l'histoire. Voilà, oui, quand même. Attendez, il y a Philippe Rebaud, il y a Pablo Poli, il y a Élodie Boucher, il y a Laure Calamy, qu'on aime beaucoup ici aussi. Ah ouais, les bonnes, ouais. Ah ouais, dans 10%. Ouais, exactement. Ah, elle est étonnante quand on voit son cul. Formidable. Mais oui. Mais, alors, ma femme m'a dit, ça va pas être le sien. Ça va pas être le sien. Enfin bref. On aurait dû lui demander. Il y a même Brigitte Fossé qui apparaît, mais bien sûr. Et puis vous, Jean-Luc Bidot. Alors d'abord, c'est un téléfilm. Alors, j'imagine que vous venez en parler, même si vous apparaissez dans le film. Très peu, minimaliste. Hein. Oui, c'est minimaliste. Vous faites de la figure. Hein, mais vous avez, j'imagine que vous êtes ici. Oui, c'est ça. En plus, je suis très mal payé. Oui, bah, je me demande. Oui, parce que je suis payé figure. Ah. Mais il y avait une table régie avec du 4 quarts quand même et du café. Enfin, vous mais avez je suis profité. Payé figure. Oui, bah, c'est normal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais vous êtes silhouette, vous avez du texte. Arrête en dessous, là, j'ai rien à foutre. Même j'ai mis la casquette, je peux vous montrer. Pour un SS un peu capitaine, il n'a pas voulu de lui. Je voulais faire capitaine, puisque je suis le père de l'alcoolique. Non, rien. Non, mais je fais rien, quoi. Si, alors, vous êtes le patron de la compagnie du bateau mouche, où travaille oui. Jean, qui va vivre un naufrage personnel. Oui. Vous avez en main son destin, en réalité. Pour le peu que vous apparaissez dans le téléfilm, c'est mal, vous qui décidez de l'aider ou pas, de le mettre à pied, de lui donner une avance sur salaire pour qu'il garde son logement ou pas. Il y a quand même, c'est décisif, c'est vous qui déclenchez ce naufrage. En fait. T'es adorable, Charlie. Adorable. Comment, si j'avais eu comme coach Charline, putain, je ferais autre chose comme de ce rôle. Elle m'a tout dit, elle m'a tout appris. Ah, c'est fabuleux, merci Charline. Remarquable. Il faut, allô de Luc, il faut que je refasse le rôle. On retourne. Oui, parce que vous aviez son destin en main, vous auriez pu faire autre chose, zut. Alors, Jean-Luc Bidot, vraiment, le téléfilm est vraiment super, mais le téléfilm a été primé au Festival de la Fiction de La Rochelle. Il a reçu le prix du meilleur téléfilm au Festival de Fiction. Ça veut dire qu'il a touché juste. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, parce que vous l'avez vu quand même, même oui, si vous n'avez pas beaucoup joué dedans, vous l'avez vu. Qu'est-ce qui fait qu'il a visé juste, qu'il a touché juste et comment? Parce qu'il est doué, je crois. Il est doué. Son Gauguin, vous l'avez vu le Gauguin qui précède? Non, je n'ai pas vu, Charlie. Je ne l'ai pas vu. Oh, mais bon, désolé, son Gauguin avec Cassel, ça va être difficile. Mais là, il a vraiment... C'est il y a longtemps qu'il se bat, parce qu'il devait faire un film là-dessus, et non pas un... Et je trouve qu'il a tout construit. Rabiot est étonnant, je ne connaissais pas ce garçon. Robot. Je vois sa tête, tout alcoolique, peu de cheveux, c'est ça qui compte, la figure. Oui. Mais ils sont et l'espagnol, au début... Oui. Pablo Poli. Ouais, il est incroyable, ce mec. Parce que c'est le pendant de Rabiot. Robio. Ouais. Oui, c'est son, Michel. C'est son compagnon de galère. Parce que voilà, Philippe Rebaud n'a plus de logement, il s'est fait expulser, et puis il trouve un gars qui joue de la musique dans la rue, qui n'a pas non plus de toit, et ils se retrouvent tous les deux à squatter chez la filleule. Un détail, une seule faute de Luc, tu m'écoutes, puisqu'il tu parles bien. Édouard de Luc. Édouard. Il y a une chose, quand il est devant les spécialistes du métro pour savoir s'il peut jouer dedans, ouais. Il aurait dû bien jouer et non pas faire le gros benet. Ça, c'est la seule faute du film. Mais vous, ouais. Il faut tout recommencer, Jean-Luc, je pense. Mais oui, le film est formidable, mais on peut en faire un deuxième. Avec plus de Jean-Luc Bidot et on refait cette petite scène de guitare. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, que j'existe un petit peu plus. Oui, quoi. Mais il m'a semblé aussi. C'est la première fois que j'avais un rôle intéressant. Enfin. Mais oui. Bah, oui, en tout cas, c'est une bonne promo. Enfin, vous êtes... Je pense que ça vaut celle d'Éric Elmosino. Le traitement, c'est le traitement de la comédie. Tragicomédie, comédie sociale. Il y a même du très burlesque. Parce qu'ils vont essayer de s'en sortir. Je ne vais pas tout déflorer, mais il y a l'idée de trimballer une défense de mammouth à un moment. Qu'est-ce qu'apporte ce traitement de comédie à une question sociale ? Trop compliqué pour moi. Faut demander à Godard ou je sais pas. Un intello. Ah, est-ce que Godard est parmi nous et pourrait... Jean-Luc Godard, oui, le traitement non, social de non, défense mais c'est de mammouth. C'est très... Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, c'est pas grave, je faisais une imitation boulot. Complètement lamentable de Jean-Luc Godard. Non, c'est pas lamentable. Oui, c'est très mauvais. Parce que moi, je te fais Michel Simon, c'est autre chose. Ah, je veux bien, ça m'intéresse. Non, attends un instant. Donc, je veux dire... Cette histoire de corne, ça c'est drôle. Mm-hmm. Quand il le monte dans l'étage, etc. Ça c'est drôle. C'est drôle et c'est assez burlesque. Ça relève presque du cinéma muet. Et pour Rabiot, ça va bien dans son truc.
dans cet alcoolisme, etc. Oui. Mais à la fin, je ne comprends pas. Est-ce qu'il va conduire de nouveau mon bateau? J'ai l'impression que... Jean-Luc, ce n'est pas votre bateau, déjà. Je suis le chef. C'est pas la fin. C'est bateau mou, je suis le chef. Oui. Mais il va le conduire, c'est là l'angoisse. Mais ce n'est pas pour de vrai, hein, tout ça. C'est un film. Oh là 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 là. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Jean-Luc, je sens que ça vous fait sous le choc. Alors peut-être on va écouter de la musique en attendant, avant de reprendre. Vous écoutez Par Jupiter, vous êtes sur France Inter. Il y a Jean-Luc Bidot qui est là, dans une forme éblouissante. On est trop contents. Restez avec nous, c'est parti. Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comment choper le trip? Je te vois, je panique. J'ai des frissons, j'ai des boulines. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. Qui chante Panique sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. C'est l'acteur Jean-Luc Bidot qui est en notre compagnie. Il est venu nous parler de Temps de chien d'Edouard Deluc. C'est un téléfilm qui est diffusé sur Arte vendredi à 20h55, qu'on vous recommande chaudement. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur téléfilm au Festival de fiction de La Rochelle. Et vous pouvez aussi le voir sur arte.tv jusqu'au 30 novembre. Donc vous n'avez aucune excuse, comme on dit dans ces cas-là. Juliette pour entourer Jean-Luc Bidot. Rukyata Ouédraogo. Ensuite, Guillaume Meurice. Et enfin, Clara Dupont-Mono. Il est 17h22 à Genève. À cette heure-là, Jean-Luc, vous nous écoutez de temps en temps? Souvent. Oh, alors vous savez que c'est le moment de l'information. On y va. On peut déjà plus fumer. On peut plus baiser sans un pneu Michelin. On peut plus rouler vite. On peut plus rien faire. Arrêtons. Le journal de presque 17h17. On y arrive, Jean-Luc. On y arrive. On y arrive. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on évoquera le retour de Manuel Valls. Il sera donc question de sortie de route. On parlera aussi des déclarations de Christophe Castaner. Il sera donc question de sortie en boîte. Et on parlera aussi de Jean-Marc Morandini. On parlera donc de sortie scolaire. Et on commence avec la politique. Oui, hier à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner était interrogé sur l'attaque de la mosquée de Bayonne. Quand un individu s'est présenté devant la mosquée de Bayonne et a violemment attaqué deux fidèles après avoir voulu incendier la mosquée de Bayonne, ça n'est pas Bayonne. Ça n'est pas le pays du Béarn. Non, pour une fois, on est bien obligé de dire qu'il a raison, parce que Bayonne, ce n'est pas du tout le pays du Béarn, c'est le Pays basque. Et oui, c'est oui. Et d'ailleurs, dans la série Nos élus ont du talent, hier, le sénateur Jean-Louis Masson est intervenu lors du vote de la loi sur le voile des accompagnants scolaires. On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle n'avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème.
Bah c'est tout. Ah, et puis le problème était réglé. Mais est-ce qu'on pense aux enfants, hein, qui sont entourés par des gens? Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi, des Halloween. On pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils sont pas contents, ils vont faire retourner d'où ils viennent. Voilà, et ben on lui souhaite de retourner d'où il vient, à la cave du Sénat, voilà. A priori. Alcool toujours. Ce matin, Manuel Valls était invité sur BFM. Emmanuel Valls a déclaré, je cite, sur un certain nombre de sujets, j'avais raison. Et c'est vrai, puisqu'il a eu raison sur Si, oui, il a eu raison. Non, c'est vrai, parce qu'il a eu raison sur... Oui. Si, je sais, quand il a dit je me barre. Oui, voilà, là il avait raison. En effet, ouais, c'est vrai. Bien joué. En tout cas, Christophe Castaner aurait félicité Manuel Valls pour tout le travail qu'il a accompli à Barcelone, dans le Pays Basque. Bien sûr. Voilà. Politique toujours. Emmanuel Macron choisit d'apaiser le débat sur l'islam en accordant une longue interview à Valeurs Actuelles. Bonne idée. Demain, il s'occupera du débat des retraites dans Pompe Funèbre Magazine. Justice à présent, accusé de harcèlement sexuel, Jean-Marc Morandini sera soumis à une expertise psychiatrique. Oui, CNews, c'est plus une chaîne de télévision, mais un centre de réinsertion professionnelle. Et oui, on a hâte de voir l'émission de jardinage de Michel Fourniret. Technologie à présent. Apple a présenté ses nouveaux écouteurs AirPods Pro, des écouteurs équipés d'une fonction d'annulation du bruit. Avec coup dur pour Matt Pokora, dont l'album ne sera plus compatible donc avec des AirPods Pro. Réseaux sociaux à présent, pour redorer son image, Instagram interdit des contenus incitant au suicide. Et les comptes de Mylène Farmer et d'Élie de Préto ont donc été suspendus. Un minuscule coléoptère couleur miel a été baptisé Greta Thunberg en hommage à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales. Oui, et un grand serpent de près de 30 cm a été nommé Patrick Bruel en hommage à sa contribution exceptionnelle. Mais ok. On enchaîne, d'accord. Alors, un bulletin spécial pour parler de l'ouragan qui s'est transformé en tempête en approche des côtes françaises. Oui, il est en pleine dépression et finalement tout petit, cet ouragan. Il ne pouvait donc que s'appeler que Pablo. C'est logique. Et selon Christophe Castaner, il se pourrait qu'il atteigne la côte atlantique du côté de Grenoble. En effet. Jean-Luc Bidot avec nous, il est 17h26 à Sion et on va aborder ce premier sujet avec vous, Jean-Luc. Je rappelle que vous êtes suisse. Je voulais juste vous dire, en général, quand Charline déconne à moins 5, tout le monde rit. Oui. Mais on ne sait matin, pas, c'est artificiel. Dire, oui. Là, j'ai vraiment, vous êtes tous, vous la trouvez drôle. Non, non, c'est artificiel. Et ça se sent. Parce qu'en général, dans des mecs qui parlent 5 minutes avant les nouvelles, c'est « Oh, vous êtes drôle !» Et c'est nul, c'est... Pas... Bien. Tu les gardes, Charline. Tu les gardes. Hein. Parce qu'elle rit vraiment. D'accord, voilà, oui, mais parce que là, c'est notre patronne. Là, c'est notre patronne, c'est pour ça qu'on rit. C'est pour ça qu'on a une tête de patronne. Voilà. Vous entendez Nicolas de Morandé à Salamé, voilà. Soyez naturel, mince, pas. Le matin. Il prépare leur émission demain en tremblant. Jean-Luc, on va aborder ce premier sujet qui a d'ailleurs trait au téléfilm Tant de chiens, que vous regarderez sur Arte, hein, comme ça. On vous voit de dos à un moment, c'est assez émouvant. C'est la nuit, donc ça va. Alors la trêve hivernale, elle commence vendredi. Donc pendant 5 mois, les locataires les plus fragiles ne peuvent pas être expulsés. L'an dernier, la France a battu son record d'expulsion. Près de 16 000 ménages ont dû prendre la porte en présence des forces de l'ordre. Ça fait environ 36 000 personnes. Chiffre officiel, parce qu'en réalité, c'est 2 à 3 fois plus. La majorité des expulsés part avant l'arrivée de la police. Sinon, on s'expose à un départ manu militari, qui se passe comme ça, généralement. On a un peu honte, mais on essaye de... Vous pouvez. C'était bonheur, ça. Pourquoi t'as pas gardé Félindra, tête de tigre. C'était Fort Boyard. Oh là là, c'est pas possible. Écoutez, on démine le réel en riant. C'est, soit on pleure, soit on rit, si vous voulez que je vous dise, moi. Jean-Luc Bidot, est-ce que... Parce que c'est le thème du film Le Logement. Il y a Philippe Rebaud qui incarne Jean, qui se fait expulser de chez lui avec ses 3 enfants. Vous avez déjà craint, vous, de ne plus avoir de toit sur la tête? Toute l'année. Oui, c'est vrai. Ben oui, parce que je suis tellement nul que je n'ai pas de toit. Bon, ma femme me dit toujours que j'ai vraiment... Tu ne mérites pas un toit, c'est ce qu'on me répond. Voilà. Non, parce que sinon, je suis un fils de Bourges. Bon, j'ai eu un peu de problème quand j'ai essayé le conservatoire à Paris. Ouais. Je suis un peu seul. On se foutait de ma gueule, j'avais l'accent genevois.
Et puis après, ça s'est calmé. Alors, j'ai pas tellement de tours, là. Mais après, sinon, pas. C'est pas drôle ce que je raconte, Charlie, à vous. Et non, la... non, non, mais en revanche, ça le mérite d'être honnête. Ah, oui, oui, mais bien sûr. Oui. Et à la Comédie Française, vous êtes dit à un moment, là, j'ai un toit. Oui, ou non, mais c'est un rapport qui était complètement lié à l'administrateur qui venait d'arriver, qui est décédé un an plus tard. Et c'est avec lui que je suis entré. Mm-hmm. Je ne suis pas entré à la Comédie Française. C'est difficile, la Comédie Française. Hein. Ouais. Il y a des degrés, il y a les bons qui jouent tout le temps, les moyens qui jouent presque pas, les médiocres. C'est horrible, il y a des strates terribles. Il y a, c'est enfin, la hiérarchie à la Française. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais la chance d'avoir, d'être soutenu par l'administrateur. J'ai 79 ans et je ne me souviens plus des noms. Alors, vous allez me le dire. C'est pas Antoine Vitez qui vous a bravo. Et Antoine Vitez, en plus, a engagé Marcella, ma femme, pour faire une mise en scène qui a très très bien marché au Petit Odéon. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai eu un très beau rôle. Puis après, bloup, quand il est parti dans un autre monde, il doit être aussi beau, non? Qu'est-ce que t'en fais, Charline? Oui. Oh, je suis sûre, quand on fait des belles choses, on peut aller que dans des endroits où c'est beau, je pense. Oui, alors Clara, c'est tout, magnifique. À toi. Est-ce que le théâtre, symboliquement, ou le métier d'acteur, vous a servi de maison? Ah oui, tout à fait. Oui, maison personnelle, parce qu'il n'y a pas plus égoïste qu'un acteur égocentrique, donc il a sa maison tout le temps. Il la trimballe quand elle est énorme, ça va. Mais moi, j'ai fait une grande différence entre comédien et acteur. Pour moi, Depardieu, c'est le sommet. Même si maintenant, même s'il est dans un film, il ne fait plus d'entrée, mais c'est un grand acteur et c'est un type qui a une vie extraordinaire parce qu'il a tout construit lui-même. Alors lui, il a son construction 3, alors. Parce qu'il est arrivé, il savait à peine parler, et vous vous rendez compte qu'il a suivi des cours avec Jean-Laurent Cochet et Loukini. Et vous avez vu ces deux vies incroyables. Mais il a un toit à Moscou, il y a un toit à Bruxelles aussi. Oui, un peu, oui, oui. C'est oui. Vrai. La bande dessinée, vous l'aviez vu? La bande dessinée où il est à moto avec Mathieu Sapin. C'est ouais, génial. Ouais, ouais. Et le mec, c'est pas un de vos collègues, le mec qui, c'est pas un personnage qui travaille comme journaliste à France Inter, celui qui dans la BD. Oui, c'est Mathieu Sapin. On a vraiment l'impression que c'est lui. Oui, mais Mathieu Sapin, il travaille pas à France Inter. Non. Mais le mec, le personnage. Oui. On dirait que c'est comment il s'appelle ce gars? Il y a plusieurs personnages. Non, il y en a un. Qui est tout le temps là. Il est dans la, avec la moto, puis Depardieu... C'est Dominique Seux, je crois. Non, pas du tout. On voit pas, on va chercher. Chers auditeurs, si vous avez la réponse, vous pouvez nous aider sur Twitter. Pour terminer, la trêve hivernale, ça existe en Suisse? Il y a des expulsions aussi de logements, etc. Non, je crois pas. Vous savez, on a tellement d'étrangers qui viennent, maçons, etc. Et non, je crois pas. Mais c'est assez odieux ce qui se passe en Suisse par rapport aux ouvriers qui ont fait venir... Mmh. En 1945, les Suisses ont eu l'intelligence, alors que l'Italie était foutue, d'ouvrir un consulat à Milan. Ils disaient « Venez, venez, il y a du boulot en Suisse !» Alors ils arrivaient, sans femme, sans enfant, et après on les renvoyait. Non, les Suisses sont pas mal dans le genre. Voilà. Alors, en tout cas, cette thématique est traitée, elle est centrale dans le téléfilm « Temps de chien », traité sur le ton de la comédie sociale. Et donc c'est sur Arte, vendredi à 20h55, avec Jean-Luc Bidault, et sur arte.tv jusqu'au 30 novembre, vous pouvez le regarder en ce qui s'appelle le replay. En replay. Rukyata Ouédraogo, vous êtes oui, avec c'est nous. Moi. Mais oui, c'est vous. Je vous ai reconnu. Oui. Alors, je pensais pouvoir me cacher, mais en fait, non. La France a toujours voulu sauver l'Afrique. Après avoir éclairé le continent noir avec les lumières de la civilisation, elle a mis en valeur ses terres vierges de toute modernité. Une fois l'œuvre coloniale achevée, elle a donné l'indépendance à nos pays. Bon. Personne n'a osé dire à la France qu'elle avait bâclé le boulot. Mais enfin, il faut appeler un chat un chat. L'aboutissement des bienfaits de la colonisation, ça a été le sous-développement. Pour sauver l'Afrique, on est donc passé sans transition de l'œuvre civilisatrice à l'œuvre au développement, à l'aide au développement. L'aide au développement, c'est, comment vous dire, la rhétorique politique est une langue étrange qui inverse le sens de certains mots. Par exemple, le mot « transparence » signifie « opacité ». Le mot « pédagogie » signifie « enfumage collectif ». Chez moi, on utilise beaucoup le mot « intégrité ». Donc, pour savoir ce que signifie l'expression « aide au développement », il suffit d'observer l'état des infrastructures en Afrique. On voit clairement que le pognon de dingue investi dans cette affaire-là a servi à autre chose. Mais à quoi donc ? À financer les campagnes électorales françaises grâce à des rétro-commissions ? À extraire des ressources naturelles africaines pour garantir l'indépendance énergétique de la France, à engraisser d'improbables pères Ubu africains aux ordres de Paris. Mais tout ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, la France finance péniblement son propre développement et laisse son ancien précaré se faire grignoter par la concurrence. Et oui, les coucougnoufs, le label France ne fait plus recette. Les pères Ubu, déjà reconvertis aux joies de la Chine-Afrique, sont tous partis à Sotie. La semaine dernière, écoutez Poutine les parler de la Russe-Afrique.
Bah oui, attends, si on a le choix, autant diversifier ses prédateurs. Mais en plus de la France, la Chine et la Russie, l'UFMI aussi veut sauver l'Afrique. Ces fameux plans d'ajustement structurel ont été si efficaces dans les années 90 qu'aujourd'hui, les jeunes Africains nés à l'époque quittent les pays pour venir en Europe. À croire que ces plans visaient à ajuster les structures de l'Afrique pour organiser la migration actuelle. Face à l'immigration, Macron a dit qu'il faut rester ferme et en même temps humain. Bon, rester ferme, ça veut dire renvoyer les migrants à la mer, et humain, ça veut dire aider l'Afrique grâce à une politique volontariste d'aide au développement. Pardon les amis, mais j'ai l'impression que plus on aide et moins on développe. Non mais c'est vrai, avec toutes ces histoires-là, moi je commence à avoir la tête qui est ignarmie. Non mais c'est vrai, mon esprit est mélangé, ma sœur. Alors, mais parmi ceux qui veulent sauver l'Afrique, il y a aussi le simple citoyen. Récemment, j'ai croisé un gros monsieur tout rouge, un vrai France-Africain amoureux de l'Afrique éternelle. Il m'a raconté que quand il arrive dans la brousse avec sa grosse 4x4 pleine de sacs de riz, il est accueilli comme un roi par le chef du village. Des petits enfants nus viennent se frotter à lui avec les petites fesses rebondies. Une jeune fille avec des petits seins pointus vient lui apporter une calebasse d'eau fraîche qu'il fait semblant de boire. Non, 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 il n'est pas con, il ne veut pas choper les amibes. Le poulet qui picore gentiment à ses pieds dans la lumière orange du soleil couchant terminera dans un plat que la jeune fille au sein pointu lui apportera le soir même dans sa chambre d'hôtel. Ah, l'Afrique éternelle. Petit Jésus, si tu m'écoutes, pardon, viens sauver l'Afrique de ces anges de sauveurs-là. Mais je ne voudrais pas terminer cette chronique sans rendre hommage à tous ces simples citoyens, associations ou institutions qui font avec sincérité un travail remarquable et indispensable pour soulager les souffrances du continent. Rukyata Ouedraogo, merci beaucoup pour cette belle chronique, Rukyata. On peut la réécouter bien sûr en podcast sur franceinter.fr, car oui, c'est la radio que vous avez choisi d'écouter, vous avez bien fait. En plus aujourd'hui, il y a Jean-Luc Bidault avec nous. Oui. Et on est trop contents. Allez. No more
Pennies par Starcrawler sur France Inter. Il est 17h38 à Genève, d'où nous écoute régulièrement Jean-Luc Bidot qui est avec nous. Donc vous connaissez l'individu qui est dans ce studio qui s'appelle Guillaume Meurice. Vous aimez ce qu'il fait ou pas ? Ah, j'aime pas bien, mais ouais, j'aime bien. Ah, ouais. Il est un peu hésitant. Non, mais parce que je me puise petit à petit. J'étais très fort au début, et je vais être nul vers la fin. Donc tu fais déjà partie des gens où je suis ramolli, tu vois. Ouais, je vois ça, on est amis. Mais je t'aime bien. Bon, ça va, Jean-Luc. Mais tu perdras jamais Berlin. Alors, Charline. Tu ne perdras jamais Berlin. On va inventer des syllabes aussi. Mais oui, j'ai la tenue de route d'une Allemande, c'est tout. Allons-y. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du voile, de l'islam, des musulmans. Non, je déconne, je sais bien que vous voulez pas faire d'audience. Bon, tant pis, je vais vous parler d'une chose bien moins grave que l'islam, le réchauffement climatique. Bon, voilà, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais je vais faire un effort parce qu'on est quand même sur une radio écolo. C'est vrai que dans nos bureaux surchauffés l'hiver et surclimatisés l'été, on a des gourdes. Bam ! Prends bien ça dans la gueule, Greta Thunberg ! Hein, tu pues dans tes couettes ! Ouais, je clash, je suis un petit peu Michel Onfray dans ma tête. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, en plus, le réchauffement, ça va s'arranger, je vous le dis. Je le sais, je suis allé ce matin au grand congrès à l'OCDE. Donc, plein d'économistes partout. Plein de Dominique Seux, en fait. Voilà. On vivait un peu un rêve de Charline. C'est vrai, on peut le dire. Hein. Voilà, l'OCDE, c'est un peu votre Tinder, Charline. Ouais. Et plein de financiers également, car le thème du congrès était la finance verte. Et ça m'a plu, parce que finance verte, bah déjà, c'est une blague. Hein, donc ça, j'aime bien. C'est comme la mort au rat bio ou le rire de Juliette discret. Enfin voilà, c'est des expressions qui sont quand même toujours très, très marrantes. Et à ce congrès de la finance verte, j'ai pu parler avec plein de gens très intelligents qui m'ont expliqué comment la finance allait sauver le monde. Pour garder une façon de vivre sur la planète, il va falloir qu'on change des bases. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du libéralisme économique ? Non, je serais pas d'accord là. C'est un peu simplet. Moi, je suis un peu simplet, vous savez. Bah, c'est pour ça. Oui, là, attention, moi, je suis complètement con. Hein. Non, mais je le dis. Hein. Moi, c'est vrai que quand je vois quelqu'un qui fout le feu, c'est pas à lui que je demande de l'éteindre. Hein, pour chercher la paix dans le monde, par exemple, je demande pas à Nordal le Landais. Voilà, pour éviter la surpopulation, à la limite, c'est peut-être un truc. Mais pas pour la paix. Alors, moi, évidemment, je suis con. C'est pour ça que j'aime bien essayer de comprendre. J'aime bien comprendre le rôle, par exemple, des investisseurs. Les investisseurs doivent également trouver du profit dans du durable, pas exclusivement des profits en termes monétaires. Mais un investisseur, est-ce qu'il ne cherche pas d'abord un retour sur investissement ? Ça dépend de l'investisseur. Il y a des investisseurs... Il y a le bon et le mauvais investisseur. Oui, il y a les deux. Voilà, c'est ça qu'il faut piger. Il y a les deux. Alors, il y a le mauvais investisseur. Bon, il investit du pognon pour en gagner encore et toujours plus. Voilà, c'est vraiment le mauvais investisseur. Et le bon investisseur, il investit du pognon pour en gagner vraiment encore et toujours plus. Mais c'est le bon investisseur. Voilà, j'ai suivi le truc. Et de toute façon, les financiers m'ont tout de suite rassuré. J'ai même rencontré un économiste suisse hein, qui est à l'analyse ce que Jean-Luc Bidot est à la figuration et qui avait des prévisions. 2020, il va se passer des choses. 2020, c'est ah bon oui. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? 2020, il va se faire des grosses choses. Grosses choses ? Oui. Bon, alors l'humanité va être sauvée. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah mince. Ah non, l'humanité se sauve elle-même. Ah, bon, bah, l'humanité se sauvera toute seule, ok. En tout cas, il y a des trucs, il y a des grosses choses hein, qui vont se passer en 2020, vous pouvez pas piger, c'est des trucs d'économistes. Nous, on croyait qu'un financier écolo, c'était un financier mort, parce qu'on se disait, bah, ça fait du bon compost. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que dans la finance, il n'y a pas des gens bien et des gens mauvais ? Eh bien, vous serez étonné. C'est 10% et même moins, et plus de 90% de gens bien. Et ce qu'il faut, c'est réapprendre, et même apprendre, à organiser les gens bien. Ah, une révolution des gens bien. Oui, c'est ça. Et vous êtes organiser. Un gens bien ? Ben... alors, c'est une excellente question. Ouais. Comment on se définit Jean Bien ? Voilà. Comment on se définit Jean Bien ? Vous avez vu comment on a élevé le débat ? Hein, la France Culture, ils écoutent, ils sont en PLS, quoi. Ouais, ils prennent des notes, quoi. Ouais, on était parti pour parler des financiers qui sauvent le monde, et là, on atteint vraiment les sommets de la philosophie. On atteint ce qu'on appelle le point Raphaël Enthoven. Voilà, ça se dit techniquement comme ça, hein, l'Himalaya de la philo. Alors, puisque je vous sens absolument passionné, et c'est quand même rare de tomber sur un financier philosophe, j'ai continué avec lui, et j'ai pas été déçu parce qu'il m'a livré ni plus ni moins que la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est de savoir qu'après cette vie, on a laissé quelque chose de meilleur et de, on leur a facilité, on leur a évité des difficultés auxquelles on a vécu. Ça, c'est de la poésie. Il y a des poètes financiers. Ah, il y a des poètes financiers, ça c'est intéressant, putain. Il y a des Baudelaire du CAC 40, il y a des Rimbaud de Wall Street. Alors évidemment, c'est que des rimes riches. Hein, parce que les rimes pauvres, ils les ont achetées pour spéculer sur la dette. Ça, c'est la poésie de l'OCDE. Et à l'OCDE, ce matin, il n'y avait pas seulement des gens qui parlaient finance verte, il y a aussi des gens qui parlaient santé et bien-être. Il y avait un autre congrès juste à côté, je suis allé le voir, parce qu'ils avaient des sponsors quand même bien chouettes. Donc on parle bien-être et santé. Exactement. Et dans vos partenaires, il y a Coca-Cola, Heineken et Pernod Ricard. Mais justement, ils donnent des impulsions parce que
l'OCDE a pour but de rassembler ces gens autour de la table et de discuter de possibles interventions et actions, initiatives. Est-ce qu'il va y avoir un Ricard responsable ? Ah, alors ça, c'est une très bonne question, effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'ils font partie de nos sponsors et on en est très fiers. Est-ce qu'eux, ils font partie du problème ou de la solution ? C'est une très bonne question également. En sorte de proposer de belles solutions. Ben voilà, des belles solutions, puisque c'est foutu, autant picoler. On aura une mort éco-responsable, éco pour économique, évidemment. En attendant, à l'OCDE, la seule couleur verte qu'on connaît, c'est la couleur du dollar. Guillaume Meurice, merci beaucoup, Guillaume. 17h44 à Paris et à Gland, en Suisse. Mais j'aime bien cette ville. Mais les gens vont jouer à Gland. Peut-être vous irez jouer à Gland. J'ai joué à Gland. Oui, c'est un théâtre qui marche. Ben voilà, vous avez eu talent. J'ai joué un Kafka à Gland. Comment s'appellent les habitants? Kafka. Berline. J'adore quand vous m'appelez Berline. Berline Vanhoenacker avec vous et Juliette Arnaud qui a choisi un autre sujet pour vous. Râler, en général, c'est bon pour la santé et c'est pourquoi nous, les Français, on pète la santé. Et râler contre les décisions arbitrales au foot, c'est le folklore. Sauf que depuis le passage à l'arbitrage vidéo, on a passé un stade. Les arbitres ne doivent plus faire preuve de psychologie, ils ont carrément besoin d'un diplôme en psychiatrie. Alors que bon, c'est quand même aisé de dire les choses avec mesure et bon sens. Ah, c'est pas possible! Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable, à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté. Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Est-ce que vous avez reconnu le monsieur qui estimait que l'arbitre devait aller en prison? Salaud, il a dit salaud. Oui, il a dit salaud et après il a basculé. Faux cul de première, parce que dès que le but n'a pas été, validé, merci. Alors, ça y est, c'était merveilleux. Voilà. C'est Léon Zitrone. Non, qui doit aller en prison. Après, il dit, il doit aller en prison. Oui, il doit aller en prison. Oui. Mais vous l'avez reconnu ou pas ? Il est surex, le gars. Oui, mais... Il aime le foot, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il est malade. Il ne se maîtrise plus. Mais on pouvait dire qu'il n'est plus là. Donc... On peut le dire, c'était Thierry Roland en 1976. Ah, oui, je cherchais avec son mec avec lui. Son collègue, vous voulez dire. Oui. Non, Thierry Roland est l'autre. Oui, comment il s'appelle ? Jean-Michel Larquet. Voilà, Larquet, remarquable. Bien sûr. Je l'ai vu jouer. Ah ouais, ça t'a vu retourner. Il jouait à Saint-Etienne, non ? À Saint-Etienne, évidemment. Oui, remarquable. Bien sûr. Et puis maintenant, Thierry Roland, mais il ne s'aimait pas tellement, parce que c'était deux genres de personnages différents. Oui, c'est vrai. Moi, je viens plus, c'est salaud, parce que je cours à votre émission. Non, pas du tout. Non, c'est très bien. On a choisi ce sujet-là sur le foot et sur l'arbitrage, parce qu'on a lu dans des tas d'interviews que vous aviez une réelle affection pour le foot, que vous alliez voir. Voilà, vous allez voir des matchs de foot, et est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur l'arbitrage vidéo ? On voudrait avoir votre avis là-dessus. Pour ou contre, Jean-Luc ? Moi, je suis pour. Ouais. Je suis pour parce que déjà, ça augmente la tension. Quand il monte le carré et qu'il va regarder tout le monde, c'est bonnard, tu vois. Ça donne une tension de plus. Parce que moi, j'ai une émotion quand je vais au foot. Qu'il y ait 20 personnes ou 2000, je m'en fous. J'ai une émotion. Ça crée une émotion. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais alors justement, vous dites que j'aille voir 20 personnes ou 2000, parce que vous allez aussi voir des petites équipes, enfin des plus petites équipes. Bravo. Des petites équipes, Servette de Genève. Oui. Elle est française. Je me reprends. J'ai lu dans une interview que vous n'étiez pas particulièrement fan des grosses équipes. Marseille, scandaleux. Voilà. Tapis, tout ça. Voilà. Merdique. Voilà. C'est ça que je veux dire. Le Doha, ou je ne sais pas où il vient. Les Arabes, là, parce que c'est pas une grande culture. Les Arabes qui dirigent PSG, c'est scandaleux. Oui. C'est merdique. Donc, c'est nul. Justement. A contrario, vous aimez aller voir j'aime les petites équipes qui cassent la gueule au PSG. Ça, j'aime bien. Et est-ce que quand vous regardez des petites équipes, vous observez les mêmes habitudes de contestation des décisions arbitrales? Non, alors je suis très silencieux. C'est dans ma tête. Ça bouillonne dans ma tête. Mais je bouge pas. Vous, super. Et bravo Jean-Luc pour ça. Ouais, mais les autres autour de vous. Le fair play de Jean-Luc est incroyable. Les autres.
Quels autres ? Les autres, le public, les supporters. Ah bah ça gueule et tout, ils sont fous de rage, etc. Oui, donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit genre l'équipe de France, voilà, ça, ouais. C'est aussi valable. Non, c'est des deux dieux, mais c'est pas possible. Quand t'as vu, ils shootent et puis ils se font faucher. Ah, ça c'est l'action, je le vois. Je te ferai Michel Simon avant qu'on parle. Il est de Genève, Michel Simon. Oui, c'est bien sûr. Tu savais ça ? On vous compare souvent à lui. On vous compare souvent à lui. Donc revenons au théâtre alors et à la littérature. Oui, littérature, enfin. Avec Clara Dupont-Mono. Un peu d'intello dans ce... Un peu d'intello. Ça suffit maintenant. Alors, l'actualité, alors oui, Jean-Luc, oui, c'est le théâtre, hein, puisque Jean-Luc Bidault, donc vous, notre invité, vous êtes aussi un homme de planche. Bon, et bien ça vous fait au moins un point commun avec Gérard Philippe. C'est une bonne nouvelle, ça. Aussi avec Michel Leeb, mais surtout Gérard Philippe. Toute parenthèse, oui. C'est à cause de Gérard Philippe que Marcella a appris le français et m'a épousé. Et à côté, sur la table de nuit, il y a encore Gérard Philippe. Elle est folle de Gérard Philippe. Continue. Gérard Philippe. Ah bon, c'est un livre alors que j'ai là, un roman magnifique qui est fait pour Marcella, donc votre épouse, qui s'appelle Le dernier hiver du Cid. Et il est signé de Jérôme Garcin, dont vous connaissez, alors sinon la voix, du moins les écrits. Et il raconte dans ce livre les trois derniers mois de la vie de Gérard Philippe, du mois d'août 1959 jusqu'au 25 novembre, date de sa mort. Alors moi, je lis ça et je me pose la question, et vous vous la posez certainement aussi, pourquoi un écrivain, en l'occurrence Garcin, décide de circonscrire le temps et finalement de ne garder de la vie d'un homme que seulement 3 mois ? Eh bien en fait, parce que ces 3 derniers mois de Gérard Philippe vont être ceux de l'ignorance. Gérard Philippe ignore qu'il est malade. Alors bien sûr, il est inquiet. Il a très mal au ventre depuis des semaines, ça ne passe pas. Il est dans sa maison à Ramatuelle, après une année chargée en théâtre, en tournage, en film, etc. Et impossible de se reposer parce que des douleurs abdominales le cassent en deux et aucun médicament n'en vient à bout. Et puis sa femme aussi, elle est inquiète. Elle s'appelle Anne et elle voit son mari le matin. Dès le matin, il a le teint cire. Il est fatigué et surtout ça lui ressemble pas parce que elle le sait. Est-ce qu'il a pas joué le Cid à Avignon avec une jambe plâtrée? Si. Est-ce qu'il a pas bravé l'épuisement en enchaînant Lorenzaccio, Fanfan la Tulipe, Ruy Blas, etc.? Si, il l'a fait. Mais là, cette fois, je crois et je sais que je suis malade, écrit Gérard Philippe dans une lettre. J'ai des remontées, je respire, j'aspire, et c'est la noyade, aussitôt ou presque. Je me souviens avoir désiré être par-dessus tout jovial. Je ne suis arrivée qu'à des sourires de commande. Est-ce que vous entendez comme ces mots-là résonnent comme un testament, en fait, bien avant l'heure ? Alors ça, il ne le sait pas, Gérard Philippe. Quand il entre à la clinique, le 5 novembre 1959, il pense vraiment qu'une petite intervention sur un abcès au foie va régler le problème. Or, passé l'opération, Gérard Philippe dort encore, le médecin convoque Anne, sa femme, et lui annonce qu'il a trouvé un cancer, et de surcroît que ce cancer est rare et incurable. Alors, Anne passe un pacte avec le médecin, ils décident qu'ils ne diront rien. Au moins, dit le médecin, un cerveau qui n'a pas abdiqué résiste mieux, il va vers la mort plein de vie. Et en effet, Gérard Philippe se réveille et tout de suite, il parle de se battre pour le syndicat français des acteurs qu'il a fondé. Il veut jouer la pièce d'Euripide qui s'appelle Les Troyennes et qu'il adore. Il programme des vacances à la neige avec ses enfants et Anne regarde son mari qui déjà n'est plus un malade mais un condamné. Ce que décrit Jérôme Garcin, alors, vous l'avez compris, c'est d'abord la vie coupée. Mais la vie coupée court, à la racine, comme la tige d'une fleur qui ne demandait qu'à pousser. Gérard Philippe avait 36 ans. Mais surtout, il décrit aussi le panache du déclin. Parce qu'il y en a un, et la littérature y est extrêmement sensible. Déclin physique, c'est Antonin Artaud, dont toute la vie aura été une longue défaite du corps sur la maladie. Le déclin matériel, c'est le père Goriot de Balzac, qui perd sa société, ses économies, sa maison, jusqu'à l'estime de ses filles. Il y a le déclin moral, la littérature en est pleine. Macbeth de Shakespeare perd sa raison, et beaucoup d'autres perdent l'envie de vivre. Tous ces gens, de toute façon, ils perdent. Et tous, ils étaient donnés gagnants. C'est-à-dire que tous étaient des winners, que ce soit du côté du talent, de l'argent, du pouvoir, de la famille. Donc c'est à la fois tragique et somptueux, à l'image d'un livre ouvert qu'Anne Philippe découvre à côté de son mari mort, qu'elle découvre un matin. Je cite « Sur la table de nuit repose le volume des Troyennes, un coupe-papier en nacre fiché à la page 123, avec, dans la marge, ce leitmotiv « Pour moi, dans 20 ans ».
C'est ce qu'avait écrit Gérard Philippe. Je vous redonne les références. Le dernier hiver du site de Jérôme Garcin est paru chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Mono. C'est très beau. Bon. Magnifique. Mais alors bon, je connais Anne-Marie, sa fille, avec qui j'ai fait La Tendresse Bordel. Et La Tendresse Bordel. Et La Tendresse Bordel. Qui est, enfin, c'est pour ça que Garcin reste quelqu'un de très précis pour moi par rapport à sa femme, qu'il aime, puisqu'il est toujours avec elle, etc. Mais c'est très beau ce que vous avez fait, ce travail sur la mort. Parce que la mort, pour nous, elle est possible, la mort. Mais quand on est mort, elle n'est plus possible. C'est vrai. Ça, c'est profond. C'est vrai. Mais oui, grâce à elle. Non, mais c'est... Tu te fous de ma gueule. Non, alors jamais. Déjà, ça, je ne fais jamais ça. Paul se fout de ma gueule. Non, mais c'est très bravo. Merci, mais non, c'est parce lui. Que ça fait aussi. Berlin est maligne. Hein, parce que avec ton truc, ça fait un équilibre avec l'africaine aussi. Non, mais, c'est non, mais vous gardez le groupe. Hein. On garde tout. Moi, je vais à Genève à 18h. Ouais, si ouais, alors, on profite alors de que vous soyez encore là. Clara, vous avez donné les références. Et Jérôme Garcin, qu'on retrouve bien sûr dans Le Masque et la Plume. Voilà, sur France Inter. Voilà. Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono. Vous restez avec nous. On va aborder rapidement ce dernier sujet, car il y a tellement de séries à voir et si peu de temps. Il en sort des centaines des séries. Alors, pour en regarder un maximum, Netflix teste une option, le visionnage en accéléré, mais qui ne modifie pas la voix, juste une fois et demie plus vite. Alors c'est déjà possible sur YouTube ou le logiciel VLC qui vous permet de voir des vidéos. Ça se fait parfois aussi pour les podcasts. Et si on veut aller plus vite que la musique, on peut aussi ralentir l'épisode pour ceux qui veulent rien rater de la version originale sous-titrée comme celle-ci par exemple. Teresa. Teresa. Qu'est-ce que c'est que ça? Teresa. Le film d'action des inconnus, bien sûr, vous aurez reconnu ce fameux sketch en noir et blanc extraordinaire. Alors, Jean-Luc Bidault, pour regarder un téléfilm, là, vous nous en proposez un sur Arte, tant de chiens, il y a Netflix et puis plein de plateformes qui produisent des séries, il y en a tellement à voir. Donc, Netflix teste une option où on peut regarder une fois et demie plus vite. Est-ce que c'est un sacrilège? Ou ça permet d'en voir plus? C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est comme... C'est n'importe quoi, je veux dire. C'est un peu, je sais pas, c'est pas l'avion Concorde qui mettait 2 heures pour aller retrouver sa maîtresse à New York, puis revenir le lendemain pour dire, oh non, j'étais juste, salut, ça va. Non, mais c'est de la folie, c'est des conneries, c'est sans nom, quoi. Ouais. Mais, tu vas pas regarder ça, Berline. Pardon? Non, non, moi, je regarde pas d'accélérer, moi, Jean-Luc. Non, 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 mais c'est comme un livre où on enlèverait une phrase sur deux pour aller plus vite. Non, mais c'est dément. C'est dément. Que Berline puisse trouver. Non, mais qu'elle puisse trouver un truc comme ça pour qu'on en parle, mais en ouais. disant qu'on va à une vitesse folle, mais c'est foutu, mais qu'est-ce qui... Mais Jean Miouk, c'est un article du Figaro, c'est un article du Figaro, Jean Miouk, excusez-moi, je le dis, moi. C'est vrai. Non, mais parce que c'est un test, mais ça veut dire que si ça marche, ils vont le commercialiser, ils vont le faire vraiment, parce que si on regarde plus vite, on en regarde plus, donc on achète plus. D'accord, mais alors... Mais t'as pensé à ça, Jean-Luc, ou pas? Non, Jean-Luc dit à Berlin que tu feras jamais ça, toi. Non, je te promets. Mais non, bon, d'accord. Je te promets, Jean-Luc. Elle a pas dit qu'elle était spécialement pour. Ah non, non, non. Oui, c'est ça. En revanche, ralentir pour regarder en version originale, sous-titrée ou non sous-titrée, et pour tout bien percevoir et ne rien rater, est-ce que c'est moins sacrilège? Moins sacrilège. Ah. Mais pourquoi? Parce que quand tu montes un film comme réalisateur, parfois t'as besoin de voir les choses lentes pour voir si c'est juste. Si... Non, ça c'est intéressant, c'est du boulot. Et mais oui. Comme spectatrice, non. Mais c'est moins débile que rapide. Ne nous écoutez pas en accéléré, c'est l'heure du sketch. Oui, alors ce matin, notre collègue Dorothée Barba nous a appris l'existence d'un comité d'éthique à Canal+. On s'est demandé à quoi pouvait-il bien ressembler. Jean-Luc, vous serez le président du comité d'éthique, Charline et Guillaume, les membres de ce comité, et moi-même, je serai la psy. Alors, ça y est, c'est le retour des guignols, c'est bon? Qu'est-ce que je vous fais dire ça? Un comité d'éthique sur Canal, avouez que c'est plutôt rigolo. Ah oui, je sais pas ce que ça va faire, j'ai une partie de golf qui m'attend, on m'excuse rien. Hein. En parlant de trous de balles, voyons le cas de Zemmour. Vous voulez un avis médical? Ah, tiens, voilà le docteur Maboul. Comment va celle-là? Mal, très mal. Ah, je sais, c'est terrible, oh, le manque de travail. Non, non, mais vous plaisantez, je ne sais plus où donner de la tête. À cause de Zemmour? Moi, si seulement il y avait lui. Il y a aussi Jean-Marc Morandini. Pascal Pro. Cyril Hanouna. Oh, là, je propose d'examiner le cas un
à 1. Bon, vous me donnez une année ? Congé sabbatique ? Non, d'expertise psychiatrique. C'est pas un petit peu court ? Bah, rien que pour Éric Zemmour, une année, ça suffira pas, en tout cas. Elle en dit quoi, docteur Sissier-Mau ? Je reprends. Berlin, excuse-moi, t'es planté tout à l'heure à moi. Elle en dit quoi, doctissimo ? Je propose une thérapie de groupe. Pour tout canal ? Il faudrait, mais dans un premier temps, je propose l'émission qui tue. Moi, développez, développez. Une émission rien qu'avec Zemmour, Morandini, Pro et Hanouna. Ok, je vois le concept. Une émission réac, climato-sceptique et pédophile à base de nouilles dans le slip. Dites-moi, Meurice, c'est pas un peu trop violent, ça ? Mais si, mais ça peut crever l'abcès. L'abcès ? Non, c'est pas à moi. Ah oui, attendez, attendez ! Je viens recevoir un SMS de Bolloré. Super, Bolloré, super, super. Salut Bolloré, comment vas-tu ? Oui, je t'écoute. Non, c'est un SMS, donc il ne vous entend pas. On attendait plus pour parler d'éthique. Il dit quoi ? Qui soutient l'incitation à la haine ? Et à la discrimination ? Ben, je ne sais pas, je n'arrive pas bien à dire. J'ai peur que le message soit comme un canal, je ne sais pas, à certaines heures. Bah, c'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment pas clair, quoi. Oh putain, Bidot change de métier. Hein. Oh, Bidot change de métier. Merci Jean-Luc Bidot. Mais donc, vous avez commencé avec la voix de Michel Simon, bien sûr. C'était pour Vincent Paul. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Tu veux que je t'en fasse encore une ? C'est Jean-Luc Bidot qui était avec nous. On n'a pas le temps, malheureusement. À 19h. Tant de chiens, je rappelle, tant de chiens, magnifique téléfilm qu'il faut absolument voir sur Arte, vendredi à 20h55. Et sur arte.tv, vous avez tout le mois de novembre pour le regarder, ce téléfilm, prix du meilleur téléfilm au Festival de Fiction. Jean-Luc Bidot, on a passé une émission extraordinaire avec vous. Arrête, demain, si, c'était super chouette. C'est tellement mignon. On se retrouve demain, allez, voilà. C'est ta nouvelle BMW i3 qui te fait cet effet-là. Eh oui, ma BMW i3 100% électrique.